Voilà, il est beau, je l'aime, c'est mon tableau. Un petit chat blanc, un petit chien noir, c'est magnifique, c'est de l'art. C'est artistique, c'est les courbes, les lignes, les couleurs, tout ça, ça veut dire tellement de choses. Hop, mettre dans l'inventaire. Non, mais toi, va pas jouer. Demain, il sera dispo. T'iras ramasser des fleurs dans le buisson avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, juste fabriquer une sculpture, fabriquer un meuble. Jardinière, comme ça, on va doubler un peu. Voilà. Après, on n'a plus du tout d'argent. No money, hein. Sladesh. C'est la dèche. Oh, c'est même pas vu. C'est beau. C'est beau. Allez, on se dépêche, mademoiselle Penny. Comme ça, demain, un événement sympa. Je suis malade ou c'est moi qui... Oh non, je me suis fait mal, c'est tout. Ok. J'ai cru que j'étais malade, je trouvais qu'elle faisait une tête bizarre. Mais non, en vrai. Voilà, donc ça m'a coûté 17 à faire et ça me rapporte. Il est où? Ah, il est dans l'inventaire. Ah, pardon, attendez, excusez-moi. Je veux juste savoir combien je vais me faire. Ah, mais je peux pas l'ouvrir ici. J'irai voir à la maison. Enfin, à la maison. Au bunker. Bah, du coup, tu vas aller dormir en attendant que Mister Lotario soit dispo pour te remonter un peu ton social et ton divertissement. Ah, tiens, la bibliothécaire, elle squatte le canapé aussi. Je pense que je suis là tellement souvent que la pauvre, elle peut plus rentrer chez lui. Chez elle, pardon. Chez lui. Oh, moi aussi, je suis fatiguée. Au bunker sans zone isolée. C'est ça. D'un autre côté, elle a pas besoin. Hein. Même pas de lampe. Hein. De toute façon, j'ai même pas. Si j'ai mis une porte, j'ai même pas de porte pour entrer dans le bunker, mais si. En fait, c'est un bunker pour garder les Sims prisonniers pour pouvoir les tuer. C'est pour un futur let's play. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai. vous avez 24. Oh, bah vas-y, coupe-l'eau, on s'en fiche, je t'ai dit. Coupe-l'eau, l'électricité, ce que tu veux. Non, j'ai pas d'eau non plus, alors. Bon, toujours pas de job. Par contre, à 10h, un événement. Croisons les doigts. Un challenge à peau pour le bunker. Voilà, c'est ça. Je prends Penny aussi ou pas? La pauvre, elle a pris cher. Manquerait plus que ça, je la fasse enchaîner sur un appo, quoi. Putain, ce serait vache quand même. Allez, vas-y, dors jusqu'à 10. Ah non, non, va appeler Don avant. Non, 7h, c'est peut-être un peu tôt. On va attendre 8h pour appeler Don, sinon il va nous dire qu'il dort encore, ou qu'il est occupé, ou qu'il a piscine, ou aquaponé, qu'il veut pas venir. Enfin bref. Ah, le perturbe, on passe, pauvre homme. Allez. Allez, il est 8h. Vas-y, essaye de le faire venir, c'est bien parce que là la barre est un peu basse. Ce serait bien qu'on remonte les deux. Deux fois crac-crac et on n'en parle plus. Je peux pas l'appeler. Ah, alors qu'est-ce qu'il nous... Don Lotario va arriver. Don Lotario nous fait l'honneur de sa présence. Il va arriver où? Ah, le voilà. Mon Dieu, magnifique, quel homme. Comment te dire? Qu'est-ce que c'est que ce look? Qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion des couleurs? Comment ça se passe, le rose, le vert et le rouge en même temps? C'est pas grave. On va pas chercher. De toute façon, j'ai juste besoin de toi pour faire. Non, pas de bébé. Crac, crac. Quelle heure est-il? 8h49, ce n'est pas l'heure. Prépare le buisson, son t-shirt, c'est un classique. Le t-shirt, oui. Mais oui, Sonia hier, mon Dieu, qu'elle était vilaine. Ceci dit, sa tenue de d'hiver à lui était pas terrible non plus. Il est d'accord ou pas? Bob Nadizzi? Manquerait plus qu'il me dise non.
Oh, il est mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise. Allez, viens, on va se remonter. Il est d'accord. Allez, hop. C'est bien. M'étonner qu'ils disent non aussi. Et il va en courant et tout, quoi. Moi, par contre, c'est la dépression, quoi. Visiblement, on a l'impression qu'elle va à l'échafaud, quoi. Ça va, il y a pire dans la vie, quand même, que de finir dans un buisson avec Don Lotario. Tout de même. Bon, vas-y, essaye de passer la seconde, quand même, Penny, s'il te plaît. Il reste dans le coin, parce que tes barres, elles sont tellement basses que... Ah, petite main en fanny, c'est normal. Tes barres sont tellement basses que tu vas sûrement y retourner une deuxième fois. Voilà, regardez comme ça la rend heureuse. Magnifique. Allez, un deuxième... deuxième petite fois pour être tranquille sur le social. Et puis Dan va pouvoir rentrer chez lui. Donc il sert à quelque chose. Bon, dépêche-toi Dan, parce qu'il y a des gens qui arrivent quand même. Oh, il est 10h. Bon, alors pendant qu'ils finissent, on y va. 10 séries. Donne-moi un chiffre entre 1 et... Non, il veut... 10 séries. Donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Aléatoire entre 1 et 26 font 2. Alors, c'est les événements. Les événements, les événements. Table événement 2. Oh. Vous vous ennuyez faire, mais si vous faisiez un peu la fête avec des Sims du coin, votre Sim doit organiser un événement social de type fête privée. S'il n'en a pas les moyens, relancez les dés. Je pense qu'on n'en a pas les moyens. Alors, on relance les dés. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 5. 5. Il y a de l'eau dans le gaz. Ça ne va plus entre vous et votre partenaire. Et suite à une énième dispute, vous avez décidé que c'était fini. Votre cible doit rompre avec son partenaire, stade petit ami minimum ou un de ses partenaires. Ben on n'est pas petit ami avec Don, mais bon, on va être obligé de monter la relation, devenir petit ami et le plaquer juste après. Je suis pas sûre qu'il a envie de revenir dans le buisson à un de ces quatre, parce que le problème, c'est que si on le fait pas... non, remarquez, on s'en fiche. Parce que si je le fais pas, finalement, vous êtes revenu sur votre décision et n'avez pas rompu. Sauf que votre partenaire est un maniaque du contrôle et que maintenant, vous êtes en stress. Du coup, vous avez profité des hot dogs à volonté au restaurant, au grand dam de votre balance. Dans le CAS, mettez le poids de votre Sims à son niveau maximal. Donc, ou je passe 6 plombes à monter ma relation avec Don avant de le plaquer, ou je monte, ou je fais prendre 50 kilos à Penny. Donc, je pense qu'on va faire prendre 50 kilos à Penny, hein. On la fera courir après. On va la mettre sur un tapis de course après, elle ira à la salle de sport, Don l'entraînera. Mais je pense qu'on va... Voilà. Donc, Penny va prendre un petit peu de poids d'ici demain matin. La pauvre, elle a rien demandé. Ah, vas-y, elle y retourne-y. Allez, hop. Encore un petit besoin social à monter. Profite tant qu'il est là. Où tu vas? Non mais repartez pas là-bas, il est là-bas le buisson. Ouh. Oh mais qui... Non mais ils m'aident pas. Tu gagnes 100 si tu y arrives. Bah non, j'ai rien vu. Attends. Oh, événement échoué, événement réussi. Ah bah si. Furieux, votre partenaire rentre le bracelet que vous lui a offert et vous le jette à la figure. Ça tombe bien, vous avez gagné. Ah yes. Sans simflouze. Bon bah alors, attends, pas de... Bah bon, si j'ai besoin encore de remonter ma barre, ça va être compliqué, va plus vouloir venir. Puis en plus on est genre on se connaît à peine quoi. On n'est pas du tout amis. Pas sûr qu'il veuille être mon petit ami, on va essayer après. À essayer. Oh, pour 100 simflouze, je peux plaquer Don Lotario. On en est là hein, dans ce challenge, c'est... Oh, j'en suis là, oui. Alors. Allez, on y retourne. Voilà, la barre sociale, elle va être au taquet. Ouh, il perd mon prisme.
Donc on va essayer, si vous bien devenir mon petit ami, on va faire ça. Sinon, tant pis, on prendra 50 kilos. Plus de choix. Ouais, c'est, il est mal à l'aise maintenant. Ah, bon bah... Ça va être la relation la plus courte de l'histoire. Veux-tu être mon petit ami? Oui, merci, ok. Eh ben, j'aurons. Alors, est-ce qu'il va être d'accord? Je suis pas sûre. Ah, eh ben non, il veut pas. Eh ben, Penny, tu vas prendre 50 kilos, ma grande, je te le dis. Eh ben voilà, elle est mal à l'aise. Et en plus, on va pas gagner 100 simflows. Bon, on va essayer encore un petit peu. T'as ces cons, c'est qu'après, il voudra plus jamais me parler. Frère, une... Non. Se plaint de la canicule. Ah mais je confirme qu'on se plaint de la canicule. Ouais, non, il veut pas. Mais je te plaque après, Don. Fais un effort. On va pas passer... Non, bon, ben, ciao. Bon, ben, Penny. Ma grande. Tu vas goûter aux joies du surpoids. Allez, on rentre. Y'a rien à ramasser. Entre, si, récolte tes murs. Récolte tes murs. Y'a pas des cailloux? Cailloux! A priori, y'a pas de cailloux. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être aller pêcher, parce que du coup, de toute façon, j'ai plus d'argent, je peux rien faire d'autre. Donc, je vois pas de... Ah, caillou! Creuser. Allez, va pêcher. Non, bah tant pis. Demain matin, à 10h, elle va s'épaissir un petit peu. Une faunite. C'est bien. Du coup, demain matin, on va pouvoir se trouver un travail. Magnifique. J'espère qu'on va tomber sur un bon travail. Et dimanche, on va pouvoir vendre 2-3 trucs. Allez. Allez, pêche-nous un beau poisson. Alors, 15 simflouzes. 6 simflouzes le poisson, bah dis donc. Ça, on va aller loin. Allez, dépêche-toi parce que t'as la dalle. 83, nickel. Voilà. Elle est confiante, ok, magnifique. Bon, on est quand même un tout petit peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, c'est rien. Du coup, après, tu vas aller manger. Qu'est-ce qu'on va aller manger? Des céréales? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des céréales. Hop, céréales. Et puis après, dodo. Jusqu'à demain matin, très certainement. Allez, pêche-moi un dernier petit poisson. Un truc qui rapporte bien beaucoup d'argent, tout ça. Histoire de se refaire une petite santé dimanche. On est toujours en dette, hein, de 573 simflouzes. Elle a enfin compris comment... Oui, ça y est, elle est devenue plus intelligente que les poissons. Comme quoi, tout arrive. Parce que pour être moins intelligente qu'un poisson rouge, faut quand même en vouloir, hein. Une pomme. C'est bien, une pomme. Allez. Ah voilà, on est passé niveau 4. Hein, magnifique. Bon. Allez, tu vas y aller parce que de toute façon. T'as faim, t'as froid, tout ça. 16. Bon, on va pas aller loin avec ça. Allez hop, va manger. Et va dormir. Ah, c'est quand même ça, c'est moche quand même quand le jeu te dit que les poissons sont plus malins que toi. Ça te remet un peu en question. Tu te dis, putain, quand même, niveau QI, on est limité, hein. Allez. Bon, je sais pas quelle heure, il est 23h, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'à dimanche quand même. Oh bah, il est tout gassé.
parce que j'aimerais bien qu'on aille jusqu'à dimanche, mais d'un autre côté, je vais pas pouvoir non plus faire un live jusqu'à pas d'heure, puisque demain, je travaille, je suis de garde, et je travaille aussi samedi, donc peut-être pas abuser. On va pas pousser mémé dans les orties, surtout que je suis pas très 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 en forme en ce moment, donc ça a rien de tirer sur la corde non plus. Puis bon, j'ai rendez-vous mardi chez le médecin, j'y vais pour lui dire, enfin, pour lui dire que je suis fatiguée, donc c'est sûr que si je fais des lives jusqu'à pas d'heure et que je me lève le matin pour aller travailler, forcément, c'est faut rester cohérente au niveau de la fatigue. Tout paraît logique. Alors, allez au lit. Donc demain matin 7h, travail et chance. Combien vais-je perdre d'argent demain matin? Parce que c'est un petit peu ça quand même, hein, le principe. Il y en a qui... Je sais pas comment font les gens pour gagner de l'argent dans ce challenge. Moi je n'y arrive pas. Moi j'en perds tout le temps. Enfin voilà. J'ai chaud. Je crois que je vais aller prendre une douche avant d'aller dormir. J'en peux plus. Attends, demain ça va être. Parce qu'on a quelques pièces climatisées, mais pas tout le service. Moi je sens que tu vas gagner un peu de sous demain. C'est gentil, Fanny, de m'encourager et d'y croire pour moi. J'aimerais tellement que tu aies raison. On va vite le savoir. Moi, j'ai peu d'espoir. Hein, ce challenge ne m'a pas été très très favorable jusque-là. Donc, je pense que c'est mort. Hop, on va aller faire pipi. Sinon, en plus, ça va se pisser dessus. Vas-y, bah vas-y, c'est en face. Pas beaucoup de planter. Voilà. Allez, à 7h, on va avoir peut-être un vrai travail. Bon, bah vas-y, fais pipi, là. Oh. Pourquoi t'as tout annulé? Ah oui, il faut que j'aille dans le CAS aussi, parce que j'ai loupé la peau. On verra ça demain à 10h, hein. On va pas lui faire ça tout de suite. Oh là, qu'est-ce que c'est long à remonter, j'avais oublié. Ceci dit, je viens de penser à un truc, c'est que Penny, je l'ai déjà envoyé en apo en fait. Dans l'apo que j'avais commencé sur le forum et que j'ai pas fini, c'est mon fondateur a choisi Penny. Hein. Donc en fait, la pauvre, je l'ai déjà envoyé en apo. Je lui ai fait l'apo et je lui fais ça maintenant, elle va finir par croire que je lui en veux. Cette pauvre Penny. Allez, mange un truc gratuit. Une compote. Et retourne dormir. Jusqu'à 7h. Ouais, la pauvre Penny, elle va finir par croire que je lui en veux. Parce que... quand même, deux fois que je l'envoie en galère. Mais c'est en général les Sims que j'aime bien que j'envoie en galère. Il n'y a qu'à voir Don avec le challenge du 100 bébés. J'en ai quand même fait un patriarche, quoi. Le gars, il passe son temps à enchaîner les conquêtes. Et moi, j'en ai fait... tu fais concurrence à... jamais 203. Pourquoi je lui fais concurrence? J'imagine que c'était Python Roux que tu voulais dire. Parce que Python Roux, je connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est? Ouais, pff, on s'en fout, on n'a pas d'eau. De toute façon, on vit pas dans notre bunker, donc... tant qu'il y a de l'eau ici... Allez, tu dors jusqu'à 7h. Qu'est-ce que c'est? Allez, ici. Non, va pas nulle. Va nulle part. Va nulle part. Oui, Python. Non, je me disais pas tant roux, c'est peut-être quelqu'un de... C'est peut-être quelqu'un de nouveau sur le forum que je connais pas encore, hein. Allez, il est 7h du matin. Alors, dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 1. 1. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier numéro 1?
Carrière à faire. Suite à un congé maternité, une place est disponible dans les bureaux et ils auraient bien besoin de quelqu'un pour aller à la photocopieuse. Magnifique! Pendant 3 jours. Ça, c'est beau. Allez, un vrai travail. Bon, enfin, un vrai travail. Je vais travailler qu'aujourd'hui, je pense, parce que, de mémoire, la carrière à faire, ça travaille pas le samedi et dimanche. Hein. Allez, arrête de dormir. Hop! Non, mais Python, personne pour le test. Il est tellement dissident qu'il s'est fait sur le forum. Du coup, il veut plus Mage le Legacy. Oh! En 3 jours, tu pourras avoir une promo large. Ah, peut-être, on verra. Oui, c'est ça. Je travaille aujourd'hui, lundi, mardi. Bon, nickel. Alors, ah ben voilà. Alors là, c'est ce qu'on disait hier. Il n'y a pas de jour férié. Et je peux pas travailler aujourd'hui. Donc en fait, le jour où je prends le travail, je peux pas y aller. Bon, ben tant pis, ça fait un jour de repos. Fait déjà 3 jours que je me tourne les pouces. Donc je travaillerai lundi, mardi et mercredi. Bon, ben, on va attendre 10 heures pour la chance. Je sais pas pourquoi ça s'appelle la chance d'ailleurs, hein, parce que moi j'en vois pas beaucoup. Sculpture enjôleuse. Allez, allons-y, je sais pas ce que c'est. À chaque fois, tu perds une journée. Bah oui. A priori, c'est fait exprès. Enfin, ou alors c'est moi qui ai un bug, je ne sais pas, mais en tout cas. Tant pis. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est, ta sculpture enjôleuse? On sait pas. Espérons que ça rapporte un petit peu de sous, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est bon. Allez. Qu'est-ce que c'est? Hein, oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Bon. Alors. Ctrl-Alt-T. CAS. Full Edit. Mode. Est-ce qu'il y a des miroirs par ici? Ouais. Prévoir une tenue. On va laisser finir sa sculpture et puis. J'ai failli oublier qu'elle devait. Changer un peu d'apparence. Ah, pauvre. Normalement, dans une crise financière, normalement, vu que tu manges pas, c'est un peu des kilos que tu perds. Ah, bah nickel! Ouais, j'ai dépensé 7, je rapporte 15. En général, vu que tu bouffes que de la compote, je sais pas comment elle fait pour prendre du poids. Hein. Connaître les codes par cœur et tu te rends compte que tu joues beaucoup trop 6. J'avoue qu'il y en a 2-3 que je connais absolument par cœur. Alors, et ici. Oh, eh bah voilà. Salut Penny. C'est. Encore ça, franchement, elle s'en sort pas trop mal. Hein. Ça va. Eh ben voilà. C'est potion de corpulence. Tu crois vraiment que j'ai des points de peau d'aspiration? Tu crois vraiment qu'avec la galère, elle dort sur un canapé? Tu crois que j'ai des points d'aspiration en vrai? Je crois que je sais même pas si j'en ai un de point d'aspiration. C'est à cause de manger trop de céréales, ouais c'est ça. Attends, fais voir. Allez, 200 points d'aspiration. Comment tu veux que j'achète une potion? Ah là là. Rip l'aspiration. Ouais, non, là, l'aspiration, si tu veux. Donner la clé de l'appartement à un ami. Moi, j'ai pas de maison, j'ai un bunker. J'ai pas d'appartement, j'ai rien. C'est la misère. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, va être 10h. Hein. Donc, alors, on y va. On est dans la chance. Allez, Siri. Dis Siri, donne-moi un bon numéro entre 1 et 26. Il n'y a personne de vos contacts qui correspond à... Ah oui. Ouais, merde. Enfin, ouais, on va, il comprend plus rien. Dis Siri, donne-moi un numéro entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 en 18. 18 pour la chance. Alors qu'est-ce que c'est? Hop, chance, il est là. Et 18. Dégrisement. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Rentrant chez vous après une soirée arrosée, vous avez eu la mauvaise idée de saccager les plantes d'un parterre de fleurs de la ville, le tout filmé par une caméra.
Après avoir été arrêté pour ivresse sur la voie publique, vous êtes mis en cellule de dégrisement avec une jolie amende à payer. Déduisez 400 simflous de votre foyer. Ma dette vient d'augmenter. Je dois 973 simflous. Je suis ravie. j'en peux plus, j'en ai marre. Attendez, je rajoute ma dette. Je pense qu'on va mourir. Donc, je dois 400 simflous. En plus des 573 que je devais déjà avant vendredi prochain. Donc là, il faut que je me fasse quasiment 1000 simflous, rien qu'avec ce que j'ai dans mon inventaire. Penny, tu vas aller pêcher, hein. Déjà, tu vas faire une autre sculpture. Voilà. Et puis, tu vas aller pêcher, ma grande. On va avoir besoin de beaucoup d'argent. Sinon, on est dans la mouise. Bon, il y a le travail aussi. Lundi, mardi, mercredi, on va travailler. Il y a moyen de gagner un petit peu d'argent. Oui, c'est de pire en pire. Effectivement, j'ai l'impression que chaque jour, c'est encore pire que la veille. Faut que j'aille à Magnolia, c'est ça? Bon, alors attends, on va finir sa sculpture. On mange et on va à Magnolia. Je m'infos pas où j'en suis. Manger un repas rapide, biscuits au fromage. Moi je dis c'est déjà pas mal qu'elle ait encore envie. Oui, déjà elle est pas morte, c'est bien. Heureusement qu'elle a mis ce terrain là d'ailleurs, parce que je pense que sinon on serait mort de faim déjà depuis un moment. On n'est pas bien. Allez, mange, faut qu'on aille à Magnolia. Ah, félicitations pour cet emploi. Bah oui, tu penses. Quelle chance. Oui, tu prends vêtements JS et le panneau est à côté sur le grand ponton. Alors attends, on va aller voir ça. Bon, ça y est, t'as fini de manger là? De toute façon, je crois que là, t'as, c'est pas grave si tu manges pas. Alors, on a dit Magnolia. C'est où ça, Magnolia? Les vêtements, tu as dit JFS. D'accord, et le ponton, il est là. Alors, allons-y. C'est mon coin secret, cet endroit. Je suis sympa, je te le prête. Merci. Bien aimable. Heureusement que t'es là. Sinon, je serais dans la mouise totale. Allez, vivement dimanche. Allez, pêcher 2-3 poissons. Puis, effectivement, il y a des poissons à 3500. Ça peut être sympa. Ce serait intéressant. Je crois que je vais jamais à Magnolia Promenade, en fait. C'est pour ça que je ne connais pas effectivement ce ponton. Je n'y mets jamais un pied. Et là, elle va te pêcher les sturgeons. Ah, si seulement. Alors, le ponton. Il est où, le ponton? Il est là. Alors. Il est où, le panneau? Il est sûrement par là, j'imagine. Près de l'eau. Hein, c'est pas logique. À gauche. Donc c'est bien plus haut. Après les WC. Où sont les WC? Attends, reviens. Où sont les WC? Les WC sont là. Les WC, ça, hein? Oui. Ah oui, il est là. Ok, j'ai vu. Merci. Allez pêcher avec un appât. À mettre un appât. Une pomme, ça rapporte pas beaucoup. Allez. Va mettre une pomme. Allez, pêche-moi un bon esturgeon en 3500, là. Ça permettrait de respirer un petit peu. S'il te plaît. Merci pour le bonne chance, Estelle. Je vais en avoir besoin. Vous avez attrapé un nouveau poisson. Et c'est quoi? Ah, tilapia, 46 simflous. C'est déjà pas mal. Ouais, vas-y, sans appât, c'est pas grave. 46 simflous, je prends. Tout est bon à prendre de toutes les façons. Et puis ça, va, t'as envie de faire pipi, ça tombe bien. Il y a des toilettes juste là. Elle est niveau combien? Attends, je vais te dire. Je crois qu'elle est 4. Pêche, ouais, elle est 4.
Mais enfin, c'est pas grave, hein. Même à 46 simflouz, c'est mieux que les poissons à 6 simflouz que j'avais jusque-là. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu tires? Allez, vas-y. Chope-le. Qu'est-ce que c'est? Hein, une plante vache. Ah, 180 simflouz. Magnifique. C'est bon, je te remercie. Tu viens de me sauver la vie. Je pense qu'on devrait pouvoir rembourser la dette dimanche. Ça, ce serait cool. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Je le sens. Il y a déjà les 600... Ah, c'est plus que 480. Bon. Il y a déjà 500, on va dire, de livres. C'est bien. 85, c'est bien, c'est bien. C'est de l'or, ce coin. Une fois en une journée, j'ai fait 7600. C'est bien, c'est bien. Ah, un poisson combattant. Oh, je savais même pas qu'il y avait des combattants dans le jeu, c'est dire. 10 simflouz, 14 simflouz, magnifique. Très bien, quand t'as plus d'argent, va pêcher. On peut pas pêcher les canards là, ou les canards, non, c'est pas des cygnes, c'est des canards. 39, mais c'est beau. Allez. La pêche est trop facile de gagner des sous dans ce jeu. Pour mes prochaines challenges, je me l'interdis, sinon c'est trop facile. Ou alors facile. Oh, une deuxième plante vache. C'est bon les gars. Les affaires reprennent. Pourquoi ça vaut toujours 180 alors qu'il y en a deux? Bon, c'est pas grave. C'est fini, ça y est, non, t'as envie d'aller aux toilettes. Et puis t'es un peu fatigué. Bon, non mais tu vas repêcher encore un petit peu jusqu'à ce que tu tombes. On va faire pipi quand même. Bon, bah voilà, ça devrait rembourser toutes nos dettes. Enfin, nos dettes actuelles, puis celles qu'on va avoir de après-demain. Parce que dimanche, on va encore se retaper des dettes, de toutes les façons, une fois qu'on aura remboursé. Eh ben, on va en avoir d'autres. Non, je veux pas aller au festival des épices. Je veux pêcher. J'ai besoin d'argent. Allez, pêcher. Tu vas pouvoir t'acheter un truc pour dormir. Oui, avec un peu de chance, on va pouvoir acheter une toile de tente. Magnifique. On va enfin pouvoir dormir de façon correcte et plus sur un canapé pourri qui fait pas monter le sommeil. T'es trop négatif, c'est pour ça que t'as que de la malchance. Ben, je sais pas si ça marche comme ça. Je suis négative parce que c'est un peu la merde quand même. Hein. C'était quoi ce coffre? Je crois que c'était la plante vache. En fait, qui est là. Les plantes vaches, parce que j'ai eu deux coffres. Pas mal, là, il y a aussi. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Ça y est, c'est fini? Non, retourne pas au terrain actif. Retourne à la bibliothèque. Non, c'était pas Windenburg, c'était... Ah bah si, c'était Windenburg, d'ailleurs. Retourne donc à la bibliothèque, ma petite Penny. Ah, sur ton écran, il y avait un coffre qui flottait. Ah bah, j'ai pas vu. Non, c'était peut-être un truc à récupérer. Faut aller pêcher. Faut aller pêcher à Magnolia Promenade. Et bonjour, Cass Sims, C.A.S. Sims, excuse-moi, je ne sais pas trop comment le prononcer. Bonjour à toi et bienvenue sur le chat de ma chaîne. Allez, va dormir. La vie est dure, la vie est dure. Du coup, demain c'est événement. J'ai très très peur. Et merci pour le follow, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. J'ai ma petite barre qui monte, j'aime bien. Tout doucement. Voilà, donc l'objectif c'est 300 avant la fin août. Je ne sais pas si on l'atteindra. Mais on va tout faire pour en tout cas. Ah, pourquoi tu dors plus? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a réveillé? Allez, courage. Dans 2 jours, t'auras une toile de tente.
C'est en pêchant que tu as des plans de vaches le plus facilement. En plus, avec la dernière mage, elles se vendent cher. Ouais, c'est bien. Ça m'arrange. J'ai fait mon challenge avant la mage. Ah oui. Ouais, mais t'avais pas les saisons. C'est ça qu'il faut se dire. Tu peux pas tout avoir. Repas rapide, flocon d'avoine. Non, on va aller là. On va pas se faire le tour. Se laver les mains. Hop. Ah, faudrait une douche aussi. Ce serait bien. Bon, puis je vais faire un peu de ménage parce que... Je suis nouveau sur Twitch. Eh ben, écoute, bienvenue. Bienvenue sur ma petite chaîne. Avant, elle valait 20 les graines. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est peu. Alors, 6h du matin, on va bientôt tirer la carte événement. Et mine de rien, ça fait déjà 2 semaines qu'on joue hein, sur les 4... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux pas manger? Sur les 4 semaines? Oui, enfin, tu pouvais manger avant de te laver les mains. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas urgence, hein? Qu'est-ce qu'elle mange? Ah oui, c'est flocons d'avoine. Et après, elle va aller nettoyer tout ça. Hop! Et puis, bah, tu vas retourner pêcher, hein? Parce que... Comment te dire qu'on n'a jamais trop d'argent? J'ai très très peur de ce qu'on va tirer à 10h. J'ai l'impression que chaque fois qu'on tire un nouveau numéro, c'est... C'est pire que celui d'avant. On va aller pêcher, puis peut-être demain on s'appellera Don là pour remonter tout ça. Remplir le lave-vaisselle, vas-y. Et après tu vas aller pêcher. C'est bon. T'as tout nettoyé. Allez, magnifique. On retourne dans le coin magique d'Estelle. Parce que visiblement, il nous a porté chance, donc on va continuer. Maintenant que je sais où il est, on va pouvoir renflouer un peu les caisses juste avant le tirage de l'événement.